C'est correct si je m'assieds là? Là? Bon ben, moi c'est Luc. Ouais. Luc Racine. J'ai 32 ans, depuis novembre. Je travaille en tant que téléconseiller en assurance. Déjà depuis 4 ans. J'ai déménagé ici avec ma famille. Dans un beau quartier. C'est calme. C'est vraiment génial. Ça, c'est ma conjointe, Isabelle. On s'est rencontrés dans une soirée club de danse de tennis. Ouais, ah, il est venu me demander si je voulais danser. Il était tellement nerveux, j'ai pas pu résister. Fait que on a dansé, puis depuis ce temps-là, ben, on est devenus inséparables. Oh, attends. Pendant qu'on dansait, il est devenu tellement nerveux, il tremblait, il était tout blanc, tout poigné. On a dû l'amener à l'hôpital. Il faisait une crise d'asthme, le pauvre. Tu sais, les enfants, ça te change tellement. Voulez-vous voir quelque chose de malade? Ça, c'est des Fisher Speedmax Colt. Parce que moi, je suis quelqu'un d'aventure, qui aime explorer, qui aime bouger. Fait que je me suis gâté. 925$. Ça, c'est juste les athlètes professionnels hein, qui utilisent ça. Ouais. Ça, c'est fait pour du monde qui ose. Pour des gens qui veulent se dépasser. Pour des gens qui ont de l'ambition. C'est important de garder son esprit actif. C'est pour ça que je lis beaucoup. Il y a tellement encore de choses à apprendre sur notre monde. Je fais un peu de peinture aussi. Mais ça, c'est juste pour m'amuser. Je suis encore amateur. Ça, c'est ma petite boîte à souvenirs. Elle est vraiment précieuse. Les souvenirs, c'est important. Sans eux, on n'est rien. C'est vraiment les souvenirs qui nous rendent uniques. En tout cas, il n'est pas plus vrai que moi. Regardez-moi. Regardez-moi pour vrai. J'ai-tu vraiment l'air de Luc Racine? Je suis inoffensif, trop faible, un échec. Ça fait trop longtemps que je veux me battre puis que je perds contre moi-même. Je veux me voir, mais je suis pas capable de me faire face. Puis je sais que je suis pathétique. Isabelle. Belle femme. Belle prison. C'est confirmé. C'est beau l'amour entre mammifères, hein? Notre relation, c'est une migraine. Puis ça fait 8 ans que ça dure. 8 ans de migraine, de niaisage, puis de surplace. Un fardeau que je peux pas me séparer de cette femme-là depuis cette petite crise d'asthme. Mes lacunes génétiques m'obligent à m'étouffer auprès d'elle. Avec cette limace-là qui arrête pas de broyer pis de chier. Il va me siphonner jusqu'à ce que j'en meure. J'ai rien à lui donner. Cet enfant-là, plus il paraît dans le décor, plus je le dissipe. Puis quand ils vont tout avoir ce qu'ils voulaient, moi, ils vont enfin pouvoir me crisser dans un trou.
puis ils vont brailler sans savoir pourquoi. Je devrais les sacrer, là. Je devrais crisser mon camp. Je peux pas faire ça. Je pourrais jamais faire ça. J'ai même pas le courage d'affronter la trentaine. Je me lancerai dans le vide juste pour éviter de subir une autre journée. Encore si j'ai l'audace de faire le premier pas. Je reste inerte à espérer que rien ne devrait m'arriver. Je me suis fait à l'idée que si je restais à ma place, je finirais par éviter de me faire mal. J'arrive encore à faire comme si j'avais des aspirations. Des skis de gagnant. On me croit-tu vraiment? C'est pour me cacher derrière eux. J'essaie de me convaincre que j'ai les couilles de quitter mon périmètre. Pire encore, de la peinture. Moi, créer. Moi, je veux voir des affaires dégueulasses. Des affaires qui n'ont pas de bon sens. Je veux voir du cul. Par-dessus tout, je veux du pouvoir. Je veux être capable de dominer tout à ma guise. Les prendre, les tordre, puis les froisser. Je laisse les plantes dans un coin sombre sans lumière, ni eau, puis je les regarde mourir. C'est malade. C'est moi qui décide, puis j'ai aucun remords. Elles me ressemblent. Heureusement que je suis un bon gars. La petite boîte à souvenirs. Cette boîte est vraiment précieuse. Les souvenirs, c'est important. Sans eux, on n'est personne. Il n'y a pas plus vrai que moi.